Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une batterie externe 4000 mAh, deux ports USB, le Touch, fabriquée par le Touch qu'on appelle Powerstone. Elle est disponible dans la boutique en trois coloris, en noir, en bleu avec les contours blancs, en rouge avec les contours noirs. Donc alors on a un packaging très très propre, très compact, et dedans on a cette batterie donc que j'ai sortie de son packaging. Elle est livrée avec un câble un peu particulier avec deux connecteurs micro USB et 30 broches à Apple. Voilà, donc on va faire le tour de cette batterie. Elle a un toucher agréable qu'on appelle soft touch anti-dérapant. Elle reprend le, donc on a un logo, un design Lego, les briques qu'on connaît bien, des deux côtés des façades, de chaque face. Ici, on a une entrée micro USB pour recharger la batterie de 4000 mAh et deux connecteurs USB. Voilà. On va pouvoir charger une tablette ou bien un smartphone, iPhone ou iPad. Donc là, aujourd'hui, on va tester avec un iPhone et un HTC One X. Donc l'HTC One X, on va le mettre sur un port USB. Faut compter 2 à 3 heures hein, pour recharger complètement la batterie Powerstone. Alors vous voyez, le câble, il vient de s'allumer ici, pour dire qu'il y a contact. Et là, on va mettre l'iPhone. Alors, on a vu qu'il y avait deux faces de Lego, et ici, il y a un petit bouton un peu particulier. Il a un trait. C'est en fait le bouton marche-arrêt. Voilà. Donc, on va appuyer. On maintient appuyé pour allumer la batterie. Voilà. Et on s'aperçoit que les deux téléphones se rechargent en même temps. On voit les voyants ici et ici, le petit voyant. Le voyant rouge et le voyant rouge qui s'éclaire également sur le câble. Voilà. On va enlever ces deux téléphones. Et puis on va brancher une batterie, une tablette iPad. Et voilà, de même sur la tablette iPad, on s'aperçoit que le témoin de charge est allumé. Voilà. Ici, sur la batterie, donc on a les voyants. C'est les voyants de charge de cette batterie. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voyants qui indiquent le niveau de charge de la batterie. On éteint. Voilà, tout ça pour vous dire, on a un produit super compact de 4000 mAh. Pour avoir une idée de la taille, on peut voir une carte type carte de crédit qui fait pratiquement le même format que celle de la batterie. Hein, voilà. Ça tient dans la poche, c'est pratique et ça vous dépannera lors de vos voyages ou même parfois dans la journée parce que l'iPhone 5, dans bien des cas, ne tient même pas la demi-journée. Voilà, donc retrouvez ce produit dans la boutique, disponible en trois coloris. À très bientôt, au revoir.